Bienvenue sur DFM TV, merci de rester scotché. Abonnez-vous sur YouTube, Instagram ou encore Facebook pour ne rien manquer de nos différentes publications. Ça, nous allons parler de l'édition spéciale Cannes Total Énergie Cameroun 2022 en évoquant les points sur tous les groupes, dans tous les groupes que cette compétition regorge. Le tirage au sort de la Cannes 2022 a donc eu lieu mardi dernier à Yaoundé, au Cameroun, avec la présence des sommités du football africain, les sélectionneurs et les présidents des fédérations. On peut donc déjà alors faire une approche des capacités des uns et des autres dans leurs groupes respectifs. Parlons déjà du groupe A pour qu'on ait une idée de comment ça se jouera de ce côté-là, composé donc du Cameroun, pays hôte, du Burkina Faso, de l'Éthiopie et du Cap-Vert. Les Lions indomptables du Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, deuxième pays le plus titré de la Coupe d'Afrique des Nations, derrière l'Égypte, part donc favori de son groupe. Le Cameroun a un avantage de jouer à domicile devant son public et est plus expérimenté que ses adversaires dans cette compétition. Avec ses 20 participations à la CAN, dont 5 titres en 1984, 1988, 2000 ou encore 2002 et 2017, les Lions indomptables seront leur propre adversaire dans cette compétition, même si ce n'est plus la Dream Team qu'on a connue dans les années 2000 ou encore dans les années 80. Attention, néanmoins, il y a des joueurs comme Vincent Aboubakar, deuxième meilleur buteur du championnat turc avec Beşiktaş. Il est également sorti champion de Turquie avec ce club. Il y a des joueurs comme le capitaine Erik Maxim Choupo-Moting, champion d'Allemagne avec le Bayern. Il a également tout raflé de ce côté-là. Et puis, on verra également comment cette équipe va se comporter avec ces joueurs dont on a cité. Les étalons du Burkina Faso, eux, ont bel et bien une place pour accéder au second tour. Et pour cela, il faudra, n'est-ce pas, bien négocier le match d'ouverture face au Cameroun, soit un nul ou une victoire. Pourquoi pas? Il faut donc bien gérer les deux autres rencontres après ce match face au Cameroun. Avec ses 12 participations en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la bande à Charles Kabore est finaliste de l'édition 2013 et sera au Cameroun, pas pour jouer les figurants. Les joueurs comme Bertrand Traoré de Aston Villa ou Abou Traoré du LOSC portent cette équipe et veulent briller dans cette compétition. Pourquoi pas aller chercher le premier sacre pour cette nation de Burkina Faso. Les Walias de l'Éthiopie et leur sélectionneur Wubetu Abate savent que la tâche ne sera pas aisée dans ce groupe A, même si la sélection a déjà goûté au sacre en 1962. Cela date de près de 60 ans. Ça fait donc la 10 participations déjà pour l'Éthiopie, bien sonnée. Et puis la sélection éthiopienne n'a pas de joueur majeur dans son effectif, mais elle s'appuiera sur des joueurs comme Chimeles Assefa de Petrojet en Égypte ou encore de son capitaine de 32 ans Saladine Saïd du Mouloudia Club d'Alger pour chercher à créer l'effervescence dans ce groupe. Alors on va terminer, n'est-ce pas, cette édition spéciale de la CAN 2022 de ce groupe A par le Cap-Vert, le Cap-Vert donc qu'on connaît d'ailleurs sur le surnom de Requin Bleu, sera également de la partie et pourra jouer ses chances à fond. Cette équipe entraîné par Pedro Leitao, la légende du football du Cap-Vert, qui a déjà conduit cette équipe en CAN 3 fois. Et les 3 fois déjà que cette équipe a participé à la CAN sont donc les œuvres de Pedro Leitao. Et puis il faut noter que le Cap-Vert sera donc à sa 4e Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun, avec à la tête son capitaine Marcos Suarez, qui, n'est-ce pas, est l'un des joueurs
essentiel de cet effectif. Cette équipe a donc des arguments pour titiller le Cameroun ou encore le Burkina Faso avec des joueurs comme Steven Fortes qui joue donc au RC Lens en France ou encore Gary Rodriguez qui est du côté de Galatasaray en Turquie. Donc voilà quelque sorte une idée qu'on peut avoir de ce groupe A, chers abonnés. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. On parlera cette fois-là du groupe B, n'est-ce pas, de cette Coupe d'Afrique des Nations. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Instagram ou encore Facebook pour ne manquer aucune information sportive sur TFM TV. Portez-vous bien et à bientôt.